La Maison des lycéens, c'est une association qui est relativement jeune, puisqu'elle a été créée maintenant il y a 3 ans. Et elle se donne pour objectif d'inviter des acteurs importants des milieux culturels, économiques, scientifiques, littéraires et politiques. Et inviter Laurent Fabius, j'ai souhaité le faire puisque c'est un personnage important du gouvernement, mais aussi parce que c'est un élève. Et les questions de diplomatie sont des questions qui plaisent aux élèves du lycée. Je voudrais savoir quelle est la place de la diplomatie européenne et quelle est l'influence de la France au sein de la diplomatie européenne. Est-ce qu'on reste dans un axe franco-allemand ou s'il y a une plus grande ouverture? Il y a de plus en plus une diplomatie européenne. Mais, comme nous sommes nombreux et qu'il y a une souveraineté nationale, il y a aussi des diplomaties nationales. Et certaines sont plus affirmées que d'autres. On peut dire, sans être désagréable vis-à-vis de personne, que les deux diplomaties peut-être les plus affirmées sont la diplomatie britannique et la diplomatie française, ne serait-ce que parce que nous sommes, chacun des deux, au Royaume-Uni et nous-mêmes, membres permanents du Conseil de sécurité. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir la version, entre guillemets, des faits de quelqu'un qui participe activement à tous ces débats et à toutes ces questions. Ce que j'ai trouvé particulièrement étonnant, c'est qu'on a toujours l'impression que les ministres sont très, très raides, très austères. Et là, on avait vraiment un point de vue, je trouve, très didactique, avec de l'humour, des blagues. C'était très relâché. Là, on voyait vraiment le pourquoi des choses et pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi, pourquoi il faut agir de telle manière. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'en suis satisfaite.